Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le jeu Payday 3. Alors, Payday 3, c'est un FPS dans lequel on joue des braqueurs qui vont devoir braquer des banques. C'est une suite qu'on attend depuis très longtemps, puisque le 2 est sorti il y a 10 ans déjà. Donc c'est un jeu qui se joue en coop. Donc on est une équipe de 4 braqueurs, ça peut se jouer à la manette, c'est disponible en anglais, les voix sont toutes en anglais, par contre il y a les sous-titres en français. C'est actuellement disponible au prix de 39,99€, mais en ce moment avec notre partenaire Games Planet et le code promo Signe Day, vous avez 10% de réduction sur l'édition standard et gold jusqu'au 31/10/2023. D'ailleurs on remercie grandement Deep Silver qui nous a offert une clé de la version gold pour présenter le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui du coup. Et grâce à ça, on a pu se pencher un petit peu sur le jeu, un petit peu en avant, parce qu'avec l'édition Gold, on avait accès au jeu 3 jours avant sa sortie officielle. Et voilà, donc on a pu tester le jeu un petit peu avant de faire la vidéo, et c'est très sympa. Normalement, on devrait aussi faire une vidéo avec... Enfin, je devrais faire une vidéo avec Damned, car il a lui aussi également eu une clé. Donc merci beaucoup à Deep Silver. Donc on revient sur le jeu. Je vais vous présenter un peu l'interface dans un premier temps. Alors, on va essayer de lancer une partie parce que je sais que les matchmaking avaient un peu de mal la dernière fois que j'ai joué. Donc on va se mettre en invité seulement, comme ça je jouerai tout seul avec des bots. Mais ça crée quand même une instance sur le serveur de connexion. Donc le speech de cette mission, c'est on va vous remettre dans le bain de cette banque. Cette banque est une branche mineure, d'habitude pas très fréquentée, mais il y a eu un cafouillage dans la programmation des transports de fonds. Donc il y a beaucoup plus de liquide que d'ordinaire dans la chambre forte, à vous de décider comment vous voulez aborder ça. Vous pouvez franchir la porte de sécurité en toute discrétion et accéder à la chambre forte, ou bien faire parler la poudre et passer par le toit. Vous connaissez la musique, le mal ne dort jamais. Donc je vais lancer en difficile parce que j'ai testé en facile, enfin en normal, et c'est vraiment très facile. Donc voilà. Je lance le matchmaking et puis je vais vous parler du jeu en attendant. Il y a actuellement dans la version du jeu 8 braquages à faire. Je vous les montrerai un petit peu après si vous voulez. Et donc là je fais le premier, je vais vous le montrer un peu. Vous allez voir, mon skill pour le moment n'est pas très bon, mais bon, c'est comme ça. Faut que je me remette dans le bain aussi, j'avais énormément joué aux deux. Donc on est un groupe de braqueurs qui va devoir braquer une banque. Donc vous allez voir, la banque elle est toute petite, il y a un espace autour, etc. Donc notre but ça va être de dérober de l'argent. Ah voilà, le matchmaking se fait très bien aujourd'hui. Je vous montrerai après tout ce qui est arsenal, etc. Et là on va commencer la partie. Et on va lancer la game du coup, hein, voilà, avec des bots. Donc les cartes sont à chaque fois pas très très grandes, enfin en tout cas celles que j'ai fait ici sont pas très très grandes. Peut-être qu'il y en aura des plus grandes, après je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est la banque. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc chaque partie qu'on va faire, il va y avoir un certain aléa dedans. Voilà, donc au départ on commence, on a nos 3 compères là, et on n'a pas notre masque, donc on se balade, on est normal quoi. Et on peut rentrer dans la banque, faire un peu ce qu'on veut tant qu'on reste dans les zones publiques. Donc là notre premier objectif vient de s'afficher, on va devoir couper l'alimentation de la porte et désactiver le système de sécurité. Donc si je me rapproche de la porte, on voit qu'il y a un boîtier là, d'alimentation, avec des fils rouges. Donc il va y avoir un interrupteur quelque part, donc la bouffe, on voit que... Hop, il y a un interrupteur ici. Donc celui-là, on va essayer d'aller l'éteindre.
Donc oui, je disais qu'il y a un petit peu d'aléatoire, parce qu'à chaque fois, les gardes sont pas forcément au même endroit, ils ont pas les mêmes rondes, les caméras seront pas forcément au même endroit. Je me rappelle que dans le 2, il y avait même carrément des portes, des fois, qui étaient pas au même endroit, etc. Il y avait pas mal... Il pouvait y avoir de l'aléa. Donc là, j'ai fait un petit peu déjà plusieurs fois la mission, donc je sais un peu ce que je vais faire. Déjà, première chose que je vais faire, c'est que je vais fermer les volets. Comme ça, s'il y a des gens... qui viennent, enfin qui sont dans la rue, ils ne verront pas ce qui se passe dans la banque. Je ferme la porte aussi. Est-ce que je peux fermer l'autre porte là ici? Non, celle-là je peux pas la fermer. Hop. Donc les gens dehors ne verront pas ce qui se passe et n'alerteront pas la police. Donc voilà. Après, voilà. Hop, ils sont dehors. Bon, après, c'est pas très. Voilà. C'est pas... Dans une banque, on ferait pas ça quoi, fermer les volets et que personne ne dise rien. Mais bon, là, c'est permis. Donc là, le garde est de ce côté, donc ça va me faciliter la tâche pour aller crocheter cette serrure là-bas. Donc on va y aller tout de suite. Donc là, il y a une caméra ici qui va me voir, donc je vais me mettre ici, paf, comme ça elle me voit pas normalement, et je vais crocheter la serrure ici. Donc là, quand on crochète une serrure, il faut juste arriver... Voilà, j'ai pas réussi à mettre le... Oh là! Ok, il y a le mec là-bas qui peut me voir, et si je me mets là, la caméra, elle va me voir, elle. On va voir. Ouais, la caméra me voit. Ok. Donc là, faut que je fasse attention. Il y a le gars là-bas qui m'embête. C'est un vendeur. Enfin, c'est un banquier, lui. C'est pas un agent de sécurité. Donc on va essayer de se dépêcher. Ok. Donc là, on a braqué. On a déverrouillé la porte. Maintenant, on peut rentrer ici. Ok. Donc là, faut que je fasse... Ah, la caméra va m'embêter encore une fois. Faut que j'attende que la caméra soit tournée de l'autre côté pour pouvoir voilà, rentrer là-dedans et faire ça. Hop, voilà. Donc là, j'ai désactivé la porte. Donc là, normalement... non, elle n'est pas ouverte, la porte. Ok, je sais pas. Il faut que je désactive le système de sécurité et que je localise le local technique. Alors ça, je sais que c'est au premier étage, donc là il va falloir que je rentre de l'autre côté là-bas maintenant. Ou que je fasse le tour par dehors, parce que j'aurais pu aussi accéder par ici. Là il y a une porte, mais il y a un garde. Je pense que ça va être plus facile de passer par l'intérieur de la banque. Donc on va passer par là. Là je vous ai fait un peu tout ça, comme ça je vous montre un peu tout ce qui est faisable. Donc oui, j'ai pas dit, mais aussi on aurait pu... venir comme des bourrins, rentrer avec une arme, tuer les gardes et faire la mission en mode bourrin, hein. C'est totalement faisable. Mais bon, il y a la police qui arrive, etc. Mais c'est moins le, c'est moins ce qu'on veut faire, quoi. Voilà, donc là, hop, on va essayer de crocheter cette porte aussi. Voilà. Le but, c'est quand même d'essayer d'arriver. Faire le braquage sans se faire repérer. Donc là il y a un garde, il y a une caméra là, il n'y a pas d'autres caméras, des fois ça arrive qu'il y ait une caméra ici. Donc là lui il regarde par là, on va attendre qu'il s'en aille, il est basé où? Ok, il est parti là-bas. Donc là on va rentrer là, on va venir là. Oh, il se tourne, oh non il y a une caméra. Ok, on va rentrer là-dedans. Alors les mecs, ils sont pas, c'est pas des gardes, eux, c'est des employés, donc ils me repèrent pas. Pour eux, y a aucun souci à ce que je sois là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la porte, je crois. Par contre, la caméra, elle voit que je suis dans la banque parce que c'est un garde qui surveille. Voilà, lui, tout va bien, je suis là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon masque. Je sais plus la touche, c'est ça. On va déjà maîtriser ces deux-là. Donc là, voilà. Hop, dès qu'ils m'ont vu, hop, je peux les maîtriser. Oh là, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un m'a vu là-bas, je crois. C'était la caméra, peut-être. Donc une fois qu'ils sont à terre, je peux les attacher. Voilà. Et comme ça, ils ne bougeront plus, parce que sinon, ils vont tenter de s'enfuir ou de prévenir quelqu'un. Voilà, donc maintenant, on va péter cette caméra, là, comme ça, elle nous embête pas.
Normalement, le garde là qui va arriver va peut-être voir qu'elle est pétée et il va venir voir ce qui se passe. Ça va m'arranger parce que je vais pouvoir le maîtriser. Normalement, on peut gérer le truc aussi sans tuer personne. Enfin, en tout cas, dans le 2, je crois que c'était faisable. On va attendre de voir ce qu'il fait parce que la caméra, moi, elle m'embête vraiment. Il y a celle-là aussi qui me dérange beaucoup. Il est où le garde? C'est pas celui qui est au fond, c'est pas le même. Hein. Oh là! Ah oui, il y a le garde là-bas, faut que je referme la porte peut-être. Voilà. Ah, donc là, mes compères, eux, tant que j'ai pas déclenché l'alarme, ils restent là. Hein. Ok, alors là je sais que là-bas il y a le bureau du manager de la banque. Je vais peut-être péter la caméra là. Oh non, il y a un garde qui m'a vu en haut là. Oh non, il y a lui qui a vu quelque chose là. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah oui, j'avais laissé ouvert. Ok, bon. J'ai maîtrisé le gardien et il m'a donné la clé rouge. Alors là, ah oui, j'avais oublié ça. Donc là, j'ai tué un garde et faut que je réponde à sa radio pour dire bon non tout va bien en fait. Et j'ai le droit de le faire 3 fois avant que l'alarme soit déclenchée. Si je le fais 3 fois et que je le fais une 4e fois derrière, l'alarme sera déclenchée parce qu'il y a eu trop de soupçons. Ouais, il y a un mec en haut là-bas. Ok, oh là, c'est le manager de la banque lui je crois. Je ne sais plus. Bref, on va le laisser passer, on va attendre qu'il passe. Je sais pas s'il va voir que la caméra. On va aller voir dans son bureau. C'est quoi ça? Il y a un mec qui a vu quelque chose en haut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a vu? Oh là là, un garde a croisé un ennemi, comment ça? Mais bon, bref. Donc là voilà, ils ont mis mes gants, c'est pas grave, on n'a pas réussi, je vais vous montrer, je vais vous présenter le jeu comme ça. Donc là ce que je sais, c'est que ici je peux fouiller des papiers, il y a des papiers un peu partout, ça va me dire, il y a un coffre là. Donc eux ils vont me défendre là, il y a un coffre, on va ouvrir le coffre. Oh non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va faire ça du coup, j'aurais pu le faire si j'avais été discret, mais bon. Bon là c'est pas grave, il y a des gens partout, on va essayer de les attacher. On peut échanger les otages, vous allez voir, pour gagner du temps d'intervention de la police. En attendant, il faut qu'on monte pour trouver la zone. Oh, c'est dommage, j'avais la clé rouge. Parce qu'en fait, là, il y a une pièce de sécurité ici. Elle est où? Non, elle est de l'autre côté. Voilà, là, je peux échanger un otage. Voilà, c'est marqué. Pour retarder l'assaut. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ils sont où? Ils sont là. On va échanger un otage. Voilà, comme ça, ils n'interviennent pas tout de suite. Ok, je gagne du temps. En attendant, il faut que j'aille chercher sur le toit de la termite pour faire un trou dans le plafond plutôt que... Ah, il est toujours pas là. Le problème, c'est que... Ah, je peux accéder avec la clé rouge ici. Ah, c'est marrant, cette pièce, d'habitude, elle est en bas. Ah, c'est la première fois que je la vois ici, cette pièce-là. C'est marrant, ça. Tiens, c'est intéressant. Ok. Donc là ils m'ont jeté la termite, voilà, on va la récupérer. Hop, et on va aller la mettre en place. Ah non, c'est pas là. Ok, donc c'est juste en dessous. Donc là j'ai pas libéré d'otage, donc les policiers vont arriver. Là c'est ça la touche, voilà. Donc là on met la termite en route. Il faut aussi que je fasse attention là parce que les policiers vont essayer de mettre l'alarme incendie, de déclencher l'alarme incendie. Oh, il y a un coffre là aussi. C'est la première fois que je vois ça. Je vois ce coffre. Hop. Clac. Donc là, c'est pas compliqué. Oula. Je crois que je suis pas au bon endroit pour faire ça. Bon. Ok. Voilà. Ok, de l'argent en plus. Très bien, donc là il y a la police qui va arriver, hein. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Faut que je fasse gaffe. Hey, toi, pousse-toi. Allonge-toi, toi. Hop, j'ai un otage là. Donc là ils m'ont jeté plus de termites, on va aller la chercher. Ah, il y a la police qui commence à arriver. Donc là, voilà. Là, on est des braqueurs, là, on se défend. Enfin, on se défend.
on tue tout le monde. Donc là, hop. Oh, ils envoient un spécialiste du sabotage. Et il y a des snipers aussi. Voilà, donc là, c'est vraiment le jeu de bourrin maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on balance la thermite dans le feu pour... Et un bouclier, voilà, allez, tuez-le, voilà. Hop. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible maintenant pour... Oh, il est en bas, le truc de thermite, là-bas, il est tombé où? Oh, quel enfer. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible pour récupérer l'argent dans le coffre, maintenant qu'on s'est fait repérer. Alors que quand on n'est pas repéré, on a toujours un peu de temps pour réfléchir un peu. Hop, on prend la thermite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la première fois que je vois ça aussi. Ah, ils ont mis le... Ils ont mis le... Ouah, je recharge. Allez. Oh là, je suis très nul. Je suis très nul. Il faut que j'éteigne l'alarme incendie. Rapidement. Oh quoi, j'avais plus de balles. Hop. Clac. Voilà. Donc ça, ça devrait éteindre le truc là. Et on devrait pouvoir remettre ça dans le feu. Ouais, très bien. Normalement, il y a une autre phase encore de thermite. Allez, j'essaie de faire le truc pour les maîtriser, mais ça marche pas. Alors, donc pareil, il y a encore un sur le toit et un en bas. On va passer par la fenêtre, ça ira plus vite là. Hop, il y a un sniper là-haut. Oh là, il y en a un qui est en train de descendre du... Oui. Oui, oui, oui. Oh, le sniper, il fait mal. Ok. Alors, il est où là? Je suis plus poil dessus. Ok, donc là on remonte. Alors là je vais donner un sac à l'autre là. Viens là toi. Je peux lui jeter le sac dessus. Voilà, comme ça il le récupère. Et moi je vais chercher mon sac. Vous êtes bêtes vous. L'IA est un peu aux fraises des fois. Hein. Vous allez voir. Donc là on va passer par ici. Clac. Là ils ont mis des armures. On va les récupérer. Hop. Allez, il est où mon pote? Tiens, donne-la moi. Je la récupère. Mince. Ah, mais c'est pas possible. Mais... C'est trop tôt. Non, c'est bon. Voilà. Ok. Désactiver le système anti-incendie. Oh là là, encore. Donc là la thermite elle a quasiment percé le trou. Donc là on va attendre. Il y a les flics qui arrivent de nouveau. On peut aussi jeter des grenades. Hop. Tiens, il y a des toilettes. J'avais même pas vu. Oh, avec des kits de soins. Excellent. Ok, donc là on a. On peut aussi donc les civils les prendre en bouclier humain, c'est pas ce que je vais faire. Eux. Voilà. Bon là je pense que quand on en est à ce niveau là, les flics s'en foutent complètement, hein, à mon avis. Je pense qu'ils ont plus de mal à me tirer dessus aussi. Lui on va lui jeter une grenade dessus. J'ai plus de grenade. Comment ça? Je peux le lâcher lui? Ouais. Aïe. Bon, on a fait le trou. C'est ça que je voulais faire. Oula, ma grenade est partie n'importe comment. Non, c'est bon. Ok, donc là on va passer dans le trou. Et on va rentrer là-dedans. Bon là j'ai vraiment fait le casse n'importe comment, hein, mais au moins vous voyez comment ça se passe. Donc là il faut que je désarme les trucs le plus rapidement possible parce qu'en fait il y a de l'encre qui va marquer les billets. Si je vais pas assez vite. Voilà, donc là j'ai réussi à en faire un certain nombre. Donc on va prendre le maximum de sacs possible. On va en donner à notre collègue pour qu'il les porte. Allez, hop.
on va pas s'embêter à en prendre trop, hein. On verra ça, là je vous montre juste le jeu, comment il se passe. Tac 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 tac, voilà, vous voyez, ceux-là ils sont marqués, ils sont bleus. On peut pas les... est-ce que tout le monde a un sac? Oui, tout le monde a un sac, donc du coup on se casse d'ici. On va sortir par où? Par derrière. Clac, ici. Voilà, bon, les maps sont un peu tout le temps les mêmes, enfin, en tout cas celle-là pour le moment, elle est... à chaque fois que je l'ai fait, elle a toujours été très similaire, enfin du moins le bâtiment reste le même. Je me rappelle qu'il y avait des maps dans le 2 qui étaient vraiment très différentes à chaque fois, il y avait des portes pas aux mêmes endroits et tout, c'était assez marrant. Il y a beaucoup de monde là. Enfin, je trouve des munitions. Alors là, je peux appeler ce qu'on a... ce qu'ils appellent une arme overkill, donc là je vais le faire, hop, qui va être livré ici. Vous allez voir, c'est une arme très puissante. Oh là là, ah non, j'ai jeté mon sac, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Alors là, faut que je désactive tous ces trucs là. Donc là, il y en a 3 à désactiver, on va le faire tout de suite. Hop, on en a trouvé un. Faut que je trouve des espèces de panneaux électriques comme ça là. On a trouvé un. Il doit y en avoir 3. Ils sont où? Je sais qu'il y en a un là des fois, mais il n'y est pas. Je me rappelle qu'une fois j'avais galéré. Est-ce que c'en est un ça? Oui. Vous voyez, l'IA là, il ne tire même pas dessus. Ils sont un peu nuls des fois, ils sont un peu bidons. Après, j'ai pas testé dans les modes de difficulté plus élevés. Peut-être qu'il faudrait tester. En tout cas, en difficile, c'est pas très difficile. Ah, oh, j'ai plus de balles. Ah, oh, j'ai plus de balles. Non. J'ai plus de balles. Faut que je trouve le dernier tableau électrique là. Mais ça va faire comme l'autre fois, je vais le chercher pendant 10 minutes. Allez, faut pas m'indiquer où il est. En facile, il est indiqué. Aïe. Bon. Alors, c'est pas par là parce que ça devient gris, ça veut dire que je quitte la mission. Je vais chercher mon arme overkill là. Hop là. C'est un lance-grenade. Boum. Ok. Le tableau électrique, où est-ce qu'il est? Punaise, mais c'est pas possible. Je vais le chercher pendant 10 ans. Là, je l'ai fait celui-là. Non, je l'ai pas fait celui-là. Oui, c'est celui-là. Ok. La police se regroupe, c'est très bien, ça va nous laisser le temps. Voilà. Donc là, ça va laisser le passage à notre moyen d'évacuation d'arriver. Je crois qu'ils ont livré des... Les autres joueurs ont posé des... Enfin, les bots, du moins, ont posé... Des armures et là c'est quoi? Des munitions, parfait. C'est ce que j'avais besoin. Là maintenant faut attendre qu'il arrive. Ok, il y a la police qui arrive du coup. Il est là-bas, il va arriver là-bas. Donc là on va se préparer là-bas. Oh là là. Ok. Je vais ramasser ça moi parce que là il y a la police qui arrive, voilà. Quoi? Ok, très bien. J'avais réussi à ne pas les toucher. Ils sont... Ok, le FBI arrive. Il est où le van? Ok, il arrive le van là. Il est en train de reculer. Très bien. Ok. Donc là il faut qu'on mette les sacs dedans. Donc là le problème c'est que je suis avec des bots, donc il faut que je le fasse pour eux. Ils sont un peu débiles. Oh là là, non. Il est où le dernier? Viens là toi. Normalement le but c'est essayer d'en ramasser le plus possible des sacs. C'est bon, on en a mis 4. Non, il faut juste qu'on se barre. Ok, normalement c'est bon là. Voilà. Bon, voilà. C'était un peu bourrin, c'était un peu chaud, mais on a malgré tout réussi à sortir 174 000 dollars.
Donc ça c'est l'argent que je vais me faire et donc là on voit les missions que enfin les trucs sur lesquels j'ai progressé, mes rangs, mes défis que j'ai progressé, etc. L'argent, etc. que j'ai fait, les ennemis que j'ai tués, les spéciaux que j'ai tués, les joueurs que j'ai réanimés, etc. Le temps qu'on a mis, la précision et tout. Donc là on peut revenir au menu maintenant. Donc là j'ai gagné mon argent, j'ai mon argent qui est arrivé sur mon compte. Et maintenant je vais pouvoir faire plein de choses que je vais vous montrer tout de suite. Du coup, donc on peut aller dans l'arsenal. Là on a tout notre équipement. Donc on voit mon arme principale, mon arme secondaire, l'arme overkill, là, ce que je vous ai montré, mon armure, mes compétences, l'objet à placer. Donc là moi j'ai une mallette de soins, l'arme de jet qui est une grenade, je peux prendre une grenade incapacitante. Il y aura des couteaux de lancer et des grenades fumigènes plus tard, donc ça se débloque avec les niveaux ça. Et un outil, une micro-caméra que j'ai absolument pas utilisé. Donc les armes principales, c'est pareil, on peut en acheter des nouvelles. Donc là, j'en ai 4 pour le moment. J'ai un fusil à pompe, un fusil d'assaut et deux pistolets. Donc je vais revenir dans l'arsenal. L'arme secondaire, c'est pareil, je peux en acheter d'autres. Je peux prendre deux grosses armes en armes, en principale et secondaire, je ne savais pas. Bref, voilà. Les armes overkill, il n'y en a que deux, il y a celle-ci et une espèce de gros sniper ultra puissant là. Les armures pareil, ça va se débloquer, etc. Et les compétences, on en a plein. On a plein 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 de compétences. Et là on va pouvoir équiper des nouvelles compétences. Sachant que j'ai pas de points de compétences actuellement disponibles, donc je peux pas en affecter de nouvelles. Mais quand on a une compétence qu'on est en cours de recherche, et en fait là celle-ci, je sais pas s'il faut faire si ça monte tout seul ou s'il faut faire des actions pour que ça monte. Je pense qu'il faut faire des actions. Lorsque vous réussissez à crocheter une serrure ou tuer un ennemi avec un couteau de lancer, vous gagnez ou rafraîchissez rush. Rush, je sais pas ce que c'est. Votre vitesse de déplacement est augmentée. Ok. Donc moi je voulais monter cet arbre de compétences là, mais je sais pas comment ça monte, donc on verra. Au cours des parties que je ferai. En attendant, j'avais débloqué piratage aussi là. Bref, on peut en activer que 3, je crois. Ah non, j'ai 4 points de compétence. Mais on peut débloquer 3 arbres différents. Je crois qu'on peut débloquer que 3. Enfin, n'activer, pardon, que 3 arbres différents. Et dans ces arbres-là, on va pouvoir débloquer plein de choses. Voilà, parce que là on voit bien que là je suis niveau 2, 1 et 1. Il n'y en a que 3, je crois. Bah, peut-être plus, on verra, je ne sais pas. Bref, je peux définir plusieurs archétypes que je veux différents. Voilà. Ensuite, j'ai mon apparence, donc là j'ai mon personnage. On a 6 personnages dans celui-ci, donc on a les 4 personnages qui étaient déjà dans le 2, donc Wolf, Dallas, Chains et Hoxton. Et on a Pearl et Joy qui ont rejoint le truc, le gang. Je crois, hein. Il me semble qu'ils y étaient passés de là. Elles y étaient passées de là. Donc là, pareil, les masques, je peux acheter de nouveaux masques. Il y en a que j'ai débloqués, etc. Les tenues, c'est pareil. Et les gants pour personnaliser notre personnage. Ensuite, on a les vendeurs. Donc là, voilà, on retrouve les vendeurs d'armes ici. On a des breloques qu'on peut mettre sur notre arme, on peut personnaliser nos armes, les peindre à différents endroits, etc. Et des autocollants pour qu'on peut mettre sur les armes aussi. Et ça, c'est des trucs qu'on peut débloquer, enfin, des bonus qu'on aura pour la mission. Ça peut être intéressant, je pense. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont à débloquer. Donc voilà. On a un vendeur qui vend des masques. Donc pareil, les masques, on peut les personnaliser, on peut les peindre, etc. Il y a plein de peintures, il y a plein de choses. Donc ça, c'est tout pour la personnalisation. Le tailleur, c'est pareil, donc c'est les vêtements et les gants. Voilà. On a l'agent de change, donc là, c'est une monnaie particulière. On peut acheter cette monnaie avec notre argent qu'on débloque. Donc c'est une espèce de bitcoin. Ça sert à acheter certains trucs, voilà, comme les gants, par exemple. Alors pourquoi certains éléments sont débloquables avec cette monnaie, je ne sais pas. D'ailleurs, il n'y a que les gants a priori pour le moment.
Donc voilà, et on a les défis. Donc il y a énormément de défis à faire qui vont nous permettre de débloquer certaines choses, de gagner des points d'expérience, etc. Et là, c'est les menus. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté sur le jeu. Il me semble que j'oublie quelque chose que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Donc si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à profiter de notre promo sur Games Planet avec le code Signe Day pour avoir 10%. Donc voilà, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que avec la version Gold là que j'ai eu, on a accès aux DLC qui vont sortir sur une année entière. Donc pendant une année, il y a 4 DLC qui vont être prévus. Et avec la version Gold, ils vont être débloqués automatiquement. Donc ça va nous apporter des casses en plus et des armes en plus. Il va y avoir des skins en plus. Enfin, il y a pas mal de choses en plus à chaque fois qui sont ajoutées. Et tout ça, avec la version Gold, sont déjà pré-débloqués. Enfin, seront débloqués quand ils sortiront. Oui, je voulais montrer les différents casses aussi. Donc il y a cette petite banque. Là, il y a mince. Un camion de banque, de transporteur de fonds qui est sur un camion et qu'il va falloir récupérer, qu'il faudra voler. Là il y a des diamants, voilà, et donc il y a 8 missions. Les autres je les ai pas trop regardées encore, il y a celle-ci, il y a celle-là, ça a l'air d'une galerie, il y avait déjà un musée dans le premier. Là c'est une banque un peu plus grande a priori, là c'est un entrepôt. Et là encore un penthouse, voilà. Donc il y a 8 missions à faire. Donc le but ce sera de les réussir dans le plus haut niveau de difficulté, parce que tu vois, vous voyez quand on va monter là en très difficile, on pourra plus détruire les caméras par exemple comme je l'ai fait. Et en overkill carrément on a un garde principal qui a des radios illimitées. Je sais pas ce que ça veut dire. On verra. Enfin bref, voilà, donc je pense que je vous ai assez bien présenté le jeu. Donc si vous êtes intéressé et que vous y jouez, n'hésitez pas à m'en parler sur le Discord ou directement sur Discord, sur mon Discord à moi, et enfin en MP quoi. Et on pourra y jouer ensemble, ce sera avec plaisir. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous, ciao !